très chaleureux, comme tout ce qui touche Jacques et les gens qui connaissent Jacques, au public spontanément, comme tous ces grands peintres comme ça, c'est toujours très chaleureux, on sent qu'il y a énormément d'affectifs, hein, énormément d'affectifs qui passent entre le public et Jacques, c'est quelqu'un qui est très attachant, il peut y avoir qu'un sentiment d'affection vis-à-vis de lui, il y avait beaucoup de monde, j'ai trouvé que c'était très agréable et extrêmement émouvant de l'entendre parler. Je vais te reposer une question que je t'avais posée il y a déjà plusieurs années. Je ne vais pas répondre la même chose. Voilà, je voudrais que tu ne me répondes pas la même chose, mais je pense que tu risques quand même d'y être contraint. Alors, si on remonte au tout début de ton histoire, on repère qu'au début, tu as entamé un travail, un peu de tâtonnement et de recherche, jusqu'à ce que tu te décides, au début des années 60, à te tourner vers la figuration. Quel était ou quel a été le premier tableau que tu as réalisé ? Qui a un petit rapport avec ta première peinture figurative. Oh bien, alors j'ai commencé par faire ma peinture figurative. À l'école d'art, je faisais des pommes. Et en vacances, je faisais des arbres. Oui, oui. J'ai un petit tableau dans la famille que je voudrais bien revoir, et il y a très longtemps que je n'ai pas vu ça. C'était mon oncle jardinier qui arrosait son jardin. C'était le genre impressionniste. Très charmant, tableau. Effectivement, tu me donnes là une réponse différente, ce qui est tout à fait intéressant. Qu'est-ce que tu avais dit ? Ah mais non, je vais essayer de te le faire deviner. Je sais pas. Ça avait plus à voir avec le travail d'aujourd'hui. Oui, j'ai raconté des histoires. Un tableau avec un objet précis. Un revolver. Un revolver, bien sûr. Effectivement, un revolver. Mais donc, je crois qu'il est important, effectivement, de placer cet objet d'emblée, comme cela, au tout début de cet entretien, parce que cet objet, il n'est pas innocent dans ton travail, il est même symbolique de tout le travail. Oui, il est symbolique de plein de choses. Il est symbolique pour tout le monde. On connaît les symboles des revolvers. Pour moi, c'est très lié à ma vie. Tu as fait un film en, je ne sais plus quelle année, mais dans les années 60, là, qui est ici, d'ailleurs, qui s'appelle Le Peintre. Hein? Non, c'est pas toi qui l'as fait, c'est... Voilà, c'est le film de 76 par Jeanne Villard-Debeau, hein? Qui s'appelle Le Peintre, qui est projeté là dans l'exposition. Effectivement, les premières séquences, on te voit dans un stand de tir. Donc, ça, c'est une activité régulière que tu mènes depuis combien de temps ? Bien régulière comme ça, bien inscrit, machin, au moins 35 ans. Ah oui, donc c'est... Oh, ça fait très longtemps. Et tu l'appréhendes comment, cet exercice ? C'est une espèce de, je dirais, de discipline mentale ? C'est une nécessité pour la peinture ? Non, pas pour la peinture vraiment, mais c'est une discipline, oui. Une discipline mentale et physique. Quand tu abordes le travail de la peinture, est-ce que tu as une nécessité, je dirais, de te mettre dans un état de concentration, de tension, qui est similaire à celui dans lequel tu te mets pour tirer. Non. Il n'y a pas de similitude là. Non, un peu moins maintenant, mais je peins tout ce que je fais d'une manière. J'ai un concept, je fais mon tableau et je l'exécute. Le tableau est préparé. Oui, bien sûr, je sais vraiment ce que je vais faire. Après, j'ai tous les documents pour faire ça. Bien sûr, j'y pense tout le temps. Et après, je projette mes documents pour avoir la
une position générale des choses, et puis les modifier, et après j'exécute. Et tout, pendant tout un temps, mon programme était net, j'avais l'intention de faire ça, c'était une exécution. C'était une exécution, on est dans le rapport au crime quand même alors. Voilà, hein, quelque part. C'était une exécution. Mais maintenant, j'exécute de travers. Mmh. Comment ça, de travers? Je fais la chose que j'ai prévue, mais elle se modifie. Je ne la fais pas exactement comme je l'avais prévu. C'est-à-dire que tu tires moins bien. J'arrive même à changer de couleur. Ouais. Donc tu tires moins bien, la balle dérape et ça va ailleurs. Oui, le pinceau, je me laisse un peu aller au hasard. C'est pas bien ça. Je rattrape à la fin. J'espère en rattraper souvent. Mais je découvre des choses en peignant avant. Je ne découvrais pas en peignant. Je découvrais l'image, je ne découvrais pas l'intention que j'avais eue. Tandis que maintenant, parfois, je découvre ce que je voulais dire en peignant. Mais tu excites notre curiosité. Qu'est-ce que tu veux dire? Toujours pareil. Oui, ça c'est bref. C'est-à-dire... À réponse laconique, question laconique. La vie est dure. La vie est dure. Oui, pour tout le monde. Même pour le peintre que tu es. Oh ben oui, hein. Ce serait un peu injuste qu'un peintre, lui, ça aille tout seul. Oui, mais tu as trouvé une sorte de thérapie, non, en faisant de la peinture? Absolument, oui. Oh oui, sans peinture, qu'est-ce que j'ai eu? Je n'étais rien du tout. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu par la peinture. Il avait une exposition à Vienne dans sa galerie et au cours d'une promenade avec son épouse, il a découvert les vitrines. Il y avait des mannequins qui étaient comme ça installés avec des sous-vêtements. Je crois qu'il a été profondément choqué par ce qu'il a vu. Ces vitrines à Vienne que j'ai vues, elles m'ont touché parce qu'elles étaient sinistres. Et que les vitrines, c'est pour moi comme la vie. On est en vitrine tout le temps, c'est pas en vitrine. On vide comme dans les vitrines. On voit le monde à travers les vitrines. La télévision, c'est une vitrine. Les lunettes, ce sont des vitrines. Les vitrines, on est dans les vitrines. Alors ces vitrines avec des femmes en morceaux, je n'ai pas inventé, elles étaient comme ça, en morceaux. Mm-hmm. Une jambe par là, un truc, un bras de tête. C'est l'image du monde, mais mis derrière une vitrine. Alors j'ai trouvé un rapport entre le sentiment que j'ai du monde et ces vitrines. Il a photographié les vitrines et sa propre épouse, Paul Monory, refotographiait Jacques, le peintre, en train de photographier les vitrines. Voilà, il se met en scène en permanence, comme il le fait régulièrement d'ailleurs dans ses séries. Il se met en scène dans ses toiles et on peut voir la toile au rez-de-chaussée. Ce sont les images qui m'ont poussé à peindre ce qu'il y a là. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, la vitrine, c'est quelque chose. D'accord, ça t'a été donné par le spectacle extérieur. Voilà, ça m'a été donné par le spectacle extérieur. Donc c'est là où je disais, depuis, il y a un petit changement, que l'extérieur te nourrit. On voit des trucs. Oui, d'accord. Ouais. Et alors, dans cette manière justement de te nourrir de l'extérieur, notamment pour cette série donc de vitrines, si on reprend en considération le travail tel qu'il se développe dans le temps, il y a un élément qui est du monde extérieur que tu as, je dirais, en quelque sorte exploité dans ton travail, c'est le monde du cinéma. Oui, ça c'est très lié à mon enfance. Comment ça? Bah parce que j'allais au cinéma tout le temps. Et quels étaient les films qui t'excitaient? Les westerns, bien sûr. Et puis les films après, un peu plus, j'ai compris. Ce sont les films noirs qui me plaisent. Les films noirs. Noirs et américains. Ah, donc c'était américain. Le western, c'est américain. Les films noirs, c'est américain. Rien pour le cinéma français. Après, je l'ai apprécié. Mais sur le coup, non. Je trouvais que ça ressemblait trop à ce que j'avais dans la vie. C'est impossible de dissocier le travail de Jacques avec... le film, notamment les films noirs américains des années 50,
les scènes de crime, tout ça, ça fait partie de son univers. C'est presque institutionnel dans l'œuvre de Jacques. C'est comme les objets, voilà, c'est impossible. L'un ne va pas sans l'autre. Tout se superpose, aussi bien avec la peinture qu'avec l'image. Voilà, on le voit bien dans les montages des films, d'ailleurs, à quel point ça se superpose. Alors, parle-nous donc un peu de la façon dont, par la suite, ce cinéma, ou le cinéma, tu t'en es servi, je veux dire, dans ta peinture. Et comment ? Par exemple, dans la série des meurtres, le cinéma est très présent, au-delà du contenu de série noire, mais dans cette manière de fragmentation. Ah oui, ça c'est alors ce qui m'a intéressé dans le cinéma, ça a déjà intéressé les peintres, Fernand Léger et plein d'autres, ils étaient, me semble-t-il, ils étaient très intéressés par la technique du cinéma, par la décomposition possible des images par le cinéma. Moi, je m'en fous, ça ne m'a jamais intéressé, ça. Ce qui m'intéressait, c'est les histoires, les climats. Les histoires ou le climat, parce que ce sont deux registres différents. Histoire sous-tend narration linéaire, etc. C'est-à-dire une histoire qu'on raconte avec un début et une fin. Un climat, c'est plus une atmosphère. Qu'est-ce que de ces deux registres-là ? Moi, j'aime quand il y a une histoire avec un climat. C'est parfait. Mais dans tes peintures, il n'y a pas vraiment une histoire. Non, non. C'est pas bouclé d'un début à une fin, que je sache. Non, moi, c'est la pellicule, je coupe. Je coupe une image dans une pellicule. Le cinéma, il est dans ma tête, comme ça. Mais je fais pas des films, je fais de la peinture. C'est une image. Une image arrêtée, mais j'aimerais que cette image, idéalement, cette image devrait valoir tout le film. Ah, que ce soit un espèce de tout fondateur de l'ensemble. Oui, que dans cette image, il y ait tout ce qui est essentiel dans tout le film, soit dans l'image. Condensé, que l'image soit forte. Et ça, c'est un désir. Hein. Pour y arriver, il faut en faire beaucoup d'images. Mais tu as fait toi-même un peu de cinéma, tu as fait des films. Oui. Qu'est-ce que dans les films, tu peux faire que tu ne peux pas faire dans la peinture ? Le mouvement, c'est sûr, dans la peinture, ça se fait au cinéma. Ça se suggère le mouvement si on joue dans la peinture. Que tu vas me dire après pourquoi tu n'as pas fait de cinéma. Non, oui, c'est vrai. Sinon, tu me donnes des idées de questions, remarque, c'est pas mal. Je n'ai pas fait de cinéma parce que on n'est pas tout seul. Il faut être avec plein d'autres. Tu n'as pas l'esprit d'équipe. Non. Bleu, qu'est-ce que c'est que ce bleu ? Non, celui-là, il est vert. Alors, ce bleu, Jacques Monory. Ah oui, ce bleu. Qu'est-ce que c'est ce bleu ? Ce bleu Monory. Tiens, bah voilà, on parlait d'Yves tout à l'heure, il y a le bleu Klein et il y a le bleu Monory. Ça, c'est clair. Oh oui, ça, c'est clair. Si on veut. Ah bah si. Alors, le bleu. Pourquoi bleu ? Ah bah c'est pas pour. C'est pas comme Klein pour atteindre. Non, ça, on imagine. On imagine. Non, c'est pour. C'est pour faire avaler la réalité. C'est pour faire avaler la réalité. Et en quoi le bleu permet-il d'avaler la réalité plus que le rouge, plus que le jaune, plus que le vert ? Enfin bon, je ne peux pas dire. Parce que dans notre inconscient européen blanc, le bleu est la couleur de la distanciation, du rêve, de l'espace, de... quelque chose. Alors, en mettant quelque chose qui est vraiment, vraiment pénible, et puis de le foutre dans le rêve, les gens peuvent regarder beaucoup mieux. Mais les qualités picturales du bleu. Ah ben oui, mais le bleu c'est extrêmement pratique. C'est pratique. Ah ben. Ouais. C'est très pratique. Bon ben c'est pratique. Ben oui. Oui, mais c'est pas simplement ça quand même. Tu vas pas me faire croire que tu ramènes ça au côté pratique. Oui, mais quand ça compte, le bleu, tu vois, c'est le plus foncé, oui. et le blanc le plus clair qui est, et tu as toute la gamme. Fais ça avec du jaune, c'est impossible. Alors moi, je ne peins pas. Si je peins en jaune, tout à coup, ben, ça, c'est plus du tout pas de la même façon, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire des monochromies jaunes. Ou alors, c'est très dur. Hein. J'ai fait ça, mais
D'ailleurs, c'est pas du vrai jaune. Bah alors, c'est parce que, alors, c'est le bleu parce que c'était trop dur l'autre. Non, mais tu me dis pourquoi, vraiment. Alors, oui, il y a parce que c'est ça, oui, parce que puis j'ai des tubes en réserve. Je suis en train de me dire que finalement, tableau, peinture à l'huile, tu nous as parlé tout à l'heure de projection sur le tableau à partir d'une diapo, d'une image, ça renvoie un peu à la mise au carreau de la Renaissance. Ouais. T'es un peintre très classique. Oh ouais. Tout à fait, oui, non, mais oui. Non mais moi, je peins comme Manet, même. T'en vois un petit bout, tu dis c'est Manet, oui. Pourquoi tout d'un coup, le seul que tu aies cité en référence, c'est Manet? Ah oui, il me plaît bien. Je dis Manet, mais je peux rien dire. Ah oui, mais t'as dit Manet. Oui. Enfin, c'est toi qui me pousse là, à dire que... Ah ben, je suis là pour ça. Non, non, mais c'est, ça m'intéresse que tu dises Manet. Parce que Manet, il a une formule qui est très très belle. La peinture n'exprime rien d'autre que la peinture. Non, alors là, je ne suis pas plus d'accord avec lui. Ah, je savais bien qu'on allait avoir des problèmes avec Manet. Non, non, mais d'ailleurs, lui, il dit ça, mais il exprime autre chose. L'Olympia, il ne montre pas la peinture. Il montre la peinture, mais à travers la peinture, il montre une femme nue. Mais ce n'est pas une femme nue, ça veut dire aussi c'est un animal qui te regarde avec des yeux de veau. Et cet animal te regardant avec des yeux de veau. Eh bien, Victorine Meurent, elle doit se retourner dans sa tombe. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça, et ce regard de veau, il est sublime. Voilà. Parce que, alors ça veut, tu peux prolonger, dire un veau, c'est sublime. Le monde est sublime. Le monde est un veau. Voilà. C'est ça, et en rentrant, Manet, il a mis l'image du monde dans cette image relative à travers un regard, à travers une forme, à travers la peinture. Mais c'est ça qui est intéressant. Est-ce que cela t'a fait plaisir, éventuellement, finalement, d'être intégré à un groupe d'artistes que Gérald Gassiot-Talabo, un critique d'art qui n'est plus aujourd'hui, a qualifié de figuration narrative? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a conforté dans le développement de ton travail quand en 64 il fait cette exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, oui, à oui, laquelle oui. Tu participes? Oui, oui, j'ai été très, très heureux parce que avant je n'apparaissais nulle part. C'est pas les peintres d'avant qui allaient m'inviter à quelque chose, ça ne correspondait pas du tout à leur... Ah, puis vu comme tu les traitais, hein, c'est sûr. Moi, je les traitais pas. Non, non, je veux dire, comme tu en as parlé. Oui. Et donc là, j'ai vu des gens qui avaient des préoccupations parallèles aux miennes. Mm-hmm. Oui, mais alors... Donc là, tu as joué... Peut-être les équipes, mais j'aime bien... Voilà, j'allais dire, là, tu as joué dans l'équipe quand même. Compagnie. Ah oui. Oui, les copains, la bande de copains, comme dit Aude. C'est important, ça. Oui, 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 parce qu'on fait des progrès très vite. Beaucoup plus vite si on est tout seul. C'est... Comment ça? Parce qu'on regarde ce que font les copains, on se dit, il ne faut pas faire comme ça parce qu'il n'est pas dans la bonne voie? Non, parce qu'on apprend plein de choses. Les autres apprennent plein de choses, surtout. Mais en tout cas, dans la peinture, oui, aussi. Donc ça, ça a été un moment... J'ai beaucoup appris à regarder les autres. J'ai décidé maintenant qu'à la fin de ce genre d'échange, je proposerai à mon interlocuteur le questionnaire de Proust. Ça nous relance en 1886, simplement. Donc, on y va. Ta vertu préférée? La sagesse. Le principal trait de ton caractère? Ah non, sagesse. La qualité que tu préfères chez les hommes? L'honnêteté mentale. La qualité que tu préfères chez les femmes? La même chose. Ton principal défaut? J'en choisis un bout, là. Je prends un peu trop tragique.
ce que tu apprécies le plus chez tes amis. Leur amitié. Ton occupation préférée? Peindre. Ton rêve de bonheur? Ne plus peindre, être au bord de la mer, être heureux. Quel serait ton plus grand malheur? Tout en continuant de vivre. Mon plus grand malheur, c'est de mourir. À part toi-même, qui voudrais-tu être? Un tigre. Où aimerais-tu vivre? J'aimerais vivre. J'ai dû avoir des idées différentes pendant toute ma vie. Là, j'aimerais vivre dans le Utah, dans un désert que j'ai traversé. Dans une petite maison et un grand désert. La couleur que tu préfères? Le rouge. Tes compositeurs préférés? Ah. Bartok, je crois. Parce que je suis un peu comme lui, entre deux eaux. Il n'est pas vraiment, vraiment moderne, mais... Il est quelque peu classique. Ouais, un peu douloureux. Tes héros dans la vie réelle? Tu veux dire... Ah ben moi je dis rien, c'est Proust. Hein. Tes héros dans la vie réelle? Moi, par exemple, je réponds Monory, moi, si on pose la question. Formidable. Eh ben, écoute, je vais le prendre. Je ne t'ai pas poussé à ça, tout de même. T'as pas une réponse moins occasionnelle? Ah, si. Ah. J'en ai un. Attrape-le vite. Ah oui, mais alors, j'ai son nom, je me souviens plus trop bien de son nom, il a été photographié par Casasola. Je emploie toujours cette image. C'est un voleur, un petit voleur, c'est pas un révolutionnaire, mais il peut apparenter, petit voleur qui a été fusillé en 1912-15 au Mexique, parmi toutes ces révolutions qu'il y avait, et il se fait photographier comme ça, en souriant, avec une cigarette. Regardez bien les tableaux de Monory, il est dedans. Une seconde après, il est mort. Exact. Ça, c'est mon héros préféré. Alors ceux qui veulent vraiment bien le voir, hein, il est dans un tableau qui sera présenté cet été à la Fondation Salomon. Le don de la nature que tu voudrais avoir? L'ubiquité. Comment tu aimerais mourir? Comme le personnage de Casasola. Comme le personnage de Casasola. L'état présent de ton esprit? Un peu décousu et pas très net. Ta devise? Il y en a une que j'aimerais bien voir. Allez. Mais elle n'est pas de moi. Oui, mais tu peux emprunter. Il s'agit d'être toujours un peu improbable.